Toute chose arrive à un moment donné. Et nous y sommes. Nous y sommes enfin. Chapitre 17, alors je pense que c'est la cinquième VOD. Où nous en étions. Dans ce fameux laboratoire. Et Red Thurston nous a rejoint. Continuons l'aventure. Je pense que nous sommes pas très loin de la fin. Enfin, j'imagine. On va voir ça. Petit réglage. Il a verrouillé la porte. Faut continuer d'avancer. Oui, c'est mieux. J'ai l'impression que j'entends pas très bien le son, moi. Bon, vous devez l'entendre impeccablement parce que mes réglages ont été faits en amont par un spécialiste. Continuons d'avancer. Oui, pardon. Si je vais pas dans le bon sens, ça risque de ne pas le faire. Ça ne va pas l'effectuer. Ah, c'est une petite materia qui me tend les mains. Je devrais mettre le micro plus près, vous voyez, comme ça. Et bien en fait, ouais, vous le voyez un peu, mais bon, le son n'en sera que meilleur. Continuons d'avancer, qu'est-ce qu'il y a sur le grappin? Ah non, il y a Barrett qui me dit peut-être d'aller ici. Mais oui, voilà, faut que j'appuie sur triangle. C'est une petite mécanique... Je sais pas, ils ont tenté de faire quelque chose, je suis pas convaincu. C'est pas moi qui pourrais faire ça. Vite, vite, il faut aller sauver Red Thurston. Ah bah non, il s'est fait aider par les barils. On a réussi. Fausse alerte. Salut les filles. Oui, bah, faites votre vie. Faites votre vie, nous on fait la nôtre. J'ai peut-être un petit peu poussé trop, mais... Non, c'est bien, le son va être bien, voilà. On va essayer de pas trop se prendre la tête. Il faudra que je fasse un setup parfait pour tout ce qui est fond vert et qu'est-ce tout. Qu'est-ce que tu dis? Il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose là-bas. La voix off de Red Thurston est pas trop mal, hein. J'aime assez... Alors oui, là il y a de matériel, hein. c'est bien ce que j'ai vu. Hein. Comment on peut y accéder à cette coquinette? Ah, il va y avoir un pont là qui va se mettre en place. C'est certain. Allez, on ne perd pas de temps. Red Thurston, s'il te plaît. Est-ce que tu peux... Oui, voilà. On dirait que c'est à moi. Non, ce n'est pas à toi. Pourquoi il revient? Il n'y a pas d'interrupteur. On ne peut pas passer par ici. Merci de m'avoir répondu. On ne peut pas passer par ici. Bon, les filles, ah, voilà. Je viens de me réveiller, hein, alors... Moi, je suis un lefto. Hein. Il est midi 20. Alors, Claude, tu m'entends? Oui. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va. Mais on est toujours séparés. Cette pièce est un cul-de-sac. Est-ce que vous m'entendez? C'est souvent le cas avec les pièces, hein, que ça soit un cul-de-sac. Bienvenue. Vous êtes dans mon plus grand labo, le Barillet. Qu'est-ce que ça fait de se tenir à l'épicentre du progrès? Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Et en prime, vous allez même pouvoir m'aider à vérifier une de mes conjectures les plus audacieuses. Quoi? Dès que je serai prêt, j'ouvrirai la porte du laboratoire numéro 3. Ah non, en fait, puisque vous êtes là. Autant que vous vous occupiez des préparations vous-même. Je compte sur vous pour me fournir des données inédites. Et puis quoi encore? Il croit qu'on bosse pour lui, cet enfoiré? On est vraiment obligé d'écouter? Je pense que oui. Il ne relâche jamais personne avant de récupérer les données qui l'intéressent. Il parlait bien du laboratoire numéro 3. Il me semble que je l'ai vu à l'étage tout à l'heure. On y va à deux? Changer d'équipe.
Moi je suis bien avec Barrett, non? Il peut me soigner, tout va bien. Ah, fallait peut-être que je dise oui. Attends, je regarde. Bon, déjà il y a un coffre. Oulala. Là là. 3000 giles. Non mais j'ai l'impression qu'il faut que je suis obligé de dire oui à cette coquine. On est obligé. Hein. J'ai encore le fond vert qui déconne, mais bon. Faites attention. Merci, ça ira. Nous, on reste ici. S'il se passe quoi que ce soit, faut nous appeler, ok? Compris. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, en fait, changer d'équipe. Moi, je croyais qu'on allait changer d'équipe. Comme dans chaque jeu. Non, non, non. Que nini! Dans ce jeu, c'est changer d'équipe, ça veut dire passer à eux. Tu t'inquiètes pas pour Cloud? Ces derniers temps, il n'est pas lui-même. C'est pas ça, j'ai juste des flashbacks. Je sais qu'il est solide. Et toi, Tifa, tu tiens le coup? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que... Vous avez vu les filles hein, commencer, hein? Dès qu'on a le dos tourné. Et que je te juge, et que je te... Et je le trouve bizarre. T'as vu comment il était habillé? J'ai juste quelques flashbacks. J'arrive! Ah, remettre, ça, c'est pas mal. Par contre, j'aime pas trop, là. J'ai les deux nanas. Pas sûr que ça soit efficace, hein. J'ai bien upgradé tout. Ah, il y a Barrett qui peut faire quelque chose. On verra ça après. Bon, bah, ça doit être le laboratoire numéro 3. Oui, je pense. C'est écrit en immense. Peut-être qu'on peut l'ouvrir d'ici. Cherchons comment faire. D'accord. Il va dire qu'il n'y a pas d'électricité. Cloud, tu m'entends? Ah, pardon. On a trouvé la porte du laboratoire numéro 3. Mais on ne peut pas l'ouvrir. Ah bon? Tiens, j'y pense. Les préparations dont parlait Ojo, elles ont peut-être à voir avec ce truc? Le terminal central. C'est bien possible. Oui, on va changer d'équipe. Mais il nous le propose. En fait, il devrait pas nous le proposer. Il devrait le faire directement. Et puis. Attends, je vois que j'ai une petite merdouille sur l'écran. Je vais changer ça tout de suite. Voilà. Et du coup, on a le micro encore un peu plus. On trouvera une solution impeccable. Donc voilà. Elle a appuyé sur un bouton, ce qui nous a permis d'avoir un levier, non? Non, non, il n'y a toujours pas de levier. J'en vois quoi? J'envoie le clébard quand même pour voir. Va pisser. Mon dieu, l'animation, qu'est-ce qu'elle est lente. Il va revenir pour nous dire, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'interrupteur. On ne peut pas passer par ici. Bon, ben on retourne voir les filles alors. Oh, je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée là, qu'ils aient eu. Square Enix. On va voir. Ne jugeons pas trop vite. Alors, on arrivait par où? Parce que je sais déjà plus. Hein. Oh là là, il y a du coffre. Et je n'oublie pas ma matéria que j'ai vue. Hein. Elle est là, la matéria. Elle m'attend. Donc, on n'arrive pas à ouvrir la porte 3. Ah, mais il y a un levier qui est immense ici. La merde dans les yeux. Et l'autre, même pas que tu fais. Regarde, ils pourront traverser en bas. Merci pour l'info. Il faut le dire à Cloud. Oui, bah on va le dire. Mais d'abord, on va aller prendre le petit coffre. En espérant que c'est une super arme. Un éther. Hop. Allez hop, on va aller discuter. Et là c'est quoi? Je suis comment au niveau... Bah j'ai tout hein. On peut peut-être acheter 2-3 conneries. Parce qu'il y a toujours des réducs. On va en prendre 3.
Bon, ça commence à faire beaucoup. Hein. À chaque fois, je les prends, mais... Bracelet runique, il est pas mal pour Barrett. Un bracelet conçu avec des matériaux naturels anciens et qui recèle une grande énergie magique. Oui, mais je n'utilise jamais la magie avec Barrett. Moi, ce qu'il me faut, c'est du gilet pare-balles renforcé. ...270, mais elle attaque jamais avec... Elle attaque... poignée de grande force, oui, d'accord, mais... Allez, on arrête. Arrêtez! Je vous demande d'arrêter maintenant. Non, on va aller les prévenir. Mais je pense qu'ils sont au courant, hein. Enfin, ils ont des yeux. Oui, on change d'équipe. Compris. On va essayer d'aller jusqu'au terminal central. Bougez pas, on vous rappellera. Il est censé étudier quoi, l'autre ordure? Le fléau venu du ciel. Genova. Pour Ojo, c'est toute l'œuvre de sa vie. Tu m'as l'air bien son au courant. CV, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu poses une question, Barrett de Shit, si tu n'acceptes pas la réponse. Des créatures et des machines diverses. Il cherche à renforcer ses cobayes. Ojo est en train de nous utiliser pour parachever ses créations. Il y en a, ils sont vraiment malades. Quoi qu'on fasse, les spécimens de Ojo sont condamnés. Abrégeons leur souffrance. Bon. C'est une façon très pragmatique de voir les choses. Ah voilà. Alors on va déjà se focaliser, pardon, sur qu'est-ce qu'il y a comme ennemi. Ah bah ils sont déjà morts. Allez, c'est parti. Ah non, ils sont là. Barrett, s'il te plaît. Concentre-toi. Adieu. Arrête s'il te plaît. Putain, mais pourquoi il ne lock pas? C'est... Voilà, au moins on a niqué son... Allez, c'est le moment. Ça va aller. Profite de l'occasion. Je vois pas pourquoi il y a une esquive si on peut pas. Et puis il me repousse. Hein. Ah, j'ai joué beaucoup à. Oh là, il faut qu'on se soigne. J'ai joué beaucoup à Judgment, donc je c'est pareil. La protection est sur R1, non L1. Non, pas je veux méga soin. On va le mettre sur moi. Non, pardon. Oui, je m'en sors. Ah là, Barrette, s'il te plaît. Compétence. Choc combustible. Arrête, s'il te plaît. Ah putain, mais c'est pas possible. Disparais. Allez, ensemble. C'est un peu chaud là. Allez, il est mort. C'était chaud, hein. J'aurais pu faire encore mieux. On n'a pas très bien joué, hein. Un petit peu déçu. Un petit peu déçu de la performance. On va se remettre de la vie. On va plutôt prendre les... Non, Barrett, il a plus de PA. On va faire méga soin sur Barrett.
Voilà. Et une petite potion. Et une petite potion sur moi aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. On en donne aux amis. On peut s'en donner à nous-mêmes. Bon, il va me dire qu'il n'y a pas de... Non. Il va me dire qu'il n'y a rien. Je le sais. Ah, il y a un petit levier là. Ça y est, je commence à comprendre un peu le... Hein, pardon. Des fois faut maintenir, des fois faut juste appuyer. Faut se décider. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, très bien, on va aller chercher la matière. Tifa et Aerys sont devant le laboratoire numéro 3, c'est bien ça? Il y a 4 interrupteurs. Un par laboratoire, peut-être. Ouais, mais moi je ramasse ça d'abord. Matéria chromancy. Équipement des équipements et matéria. Chromancy, c'est pas mal. Hein. Ça permet d'éviter la lenteur et tout le bordel. Je vais essayer de voir ce que je peux foutre sur Barrette. Un truc que j'utilise jamais. Annihilation. Augmente l'objet des objets en combat de 30% PM augmenté. Voilà, chromancy c'est pas mal. Permet d'utiliser hâte et lenteur. Et puis ça rajoute un petit peu des points. Et oui, et puis on s'était dit que... Déjà on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Mais on s'était dit qu'on allait améliorer l'arme de Barrette. La mitrailleuse rotative qui est à 55. Putain, il y a l'autre qui... Pourquoi je suis sur la mitrailleuse rotative alors que j'ai le boulet de canon qui est impeccable. Bon, c'est celui qui est repassé là-dessus. Parce qu'on a changé de personnage. J'ai 23 attaques magiques. Durée des effets bénéfiques sur soi plus 10%. Attaque physique, évidemment. Voilà. Oui, c'est curieux cette histoire. Allez, boulet de canon. Non, je veux dire boulet de canon, je veux l'équiper. Ah, ils auraient dû mettre une touche pour équiper ici. Équipement et matéria, barrette. Ah oui, non, mais ça me fait baisser les stats à fond, quoi. Oui, mais alors, bienvenue à Materia Land aussi. Attends. Boulet de canon. Fusil d'assaut. Je perds de tout, sauf que je gagne juste en 38. Non, mais je comprends pourquoi on l'a pas fait. Elle est beaucoup, enfin, ça fait, y a beaucoup de matéria, mais on perd 10, 9, 21. Oulala. Non. Non, on va augmenter l'arme de Barrette. Mais je crois que c'était de la merde, hein, c'était juste genre la magie. Hein. Je m'en souviens, on reste comme on est. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Ça a fait quoi? Ça a ouvert la porte 2. Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Elles sont où, elles? Je sais plus. Attends, déjà, je vais aller leur parler pour voir à quel étage elles sont. Et on va leur ouvrir une porte. On va le faire... Oui, changer d'équipe. Oui, salut. On est à quelle porte, nous? On est à la porte numéro 3. Attends, on a ouvert la porte numéro 2, hein. Je suis pas fou. On va aller voir ce qui se passe.
C'est des petits secrets dans le secret. Ah, mais on peut pas. C'est pas clair. Hein, qu'est-ce qui, quoi? Ah non, c'est au-dessus. Oh mon dieu! À des moments, c'est un petit peu fastidieux. Non, mais ils veulent qu'on ouvre la porte numéro 3. Mais la porte numéro 2, j'aurais bien voulu y aller, moi. C'est peut-être à eux d'y aller, hein. Fermé. Non mais il y a plein de portes à ouvrir. Oui, changer d'équipe. Normalement nous la porte numéro 2 est ouverte là, hein. On est bien d'accord. Elle est où? Putain. On vient de l'ouvrir là. Ah, faut qu'on aille là. Ah, il faut déjà que je leur ouvre la porte à eux, à elle. Allez. Y compris. De toute façon, nous, on peut pas passer. Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. On devrait les appeler. Et leur recommander d'être très prudentes. Oui. Red Sutton. C'est bien gentil, mais n'oublie pas que tu ne restes qu'un. Ça doit être ouvert. Qu'un gros chat. Laisse-nous faire, hein, d'accord. Gratte-toi le dos, lèche-toi les couilles. Ne prenez pas trop de... Continue de... Merci. Faire ce que tu as l'habitude de faire. On va voir et on revient. C'est pas mignon ça. Le barillet numéro 3. Allez, potion, non, même pas. Ok. Bon bah. Oh, c'est vide. C'est vraiment histoire de perdre du temps, hein. Je me plains, mais. J'ai raison de me plaindre. Un petit peu. Bon, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Ah bah oui. C'est de la persécution. Oh merde, avant de faire une attaque magique, il faudrait peut-être que je l'ai... Le lock, mais pourquoi il peut pas les locker à chaque fois? Bon, ça s'est pas trop mal passé. Faut continuer comme ça. Ça s'est pas trop mal passé. Dire le contraire serait mentir. C'est quoi cette pièce? Ça me donne le cafard. Ça me donne le cafard. Tu pourrais dire que elle t'angoisse, que ça te fait un petit peu peur, mais ça me donne le cafard. Non, le cafard on l'a quand on reste un petit peu plus longtemps. Méga potion, bon. Toujours bon à prendre, mais bon, je suis un petit peu déçu. Quoi donc? Lui, il a pas l'air d'être gentil comme Sorstein. Ah, il s'ouvre des fois de temps en temps. Ok. Ah, ils sont plusieurs. Alors, pourquoi là la lumière est jaune et les autres sont rouges? On va vite le savoir. À notre retour. Là, là, ça sent la bagarre, là. Si vous aimez les jeux vidéo, je vous conseille de rester, hein. Là, il va y avoir une petite bagarre. Si vous êtes amateur de petites bagarres et de batailles,
Ouais, non mais là ça sent la zone de fight à plein nez. C'est maintenant ou jamais. Je compte sur toi. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Tu veux que je reste à l'écart? Je m'en occupe. Je joue mal. C'est pas fini. Hey, Tifa, là, si tu pouvais nous aider. Sors. Ah, j'ai que le soin de merde. Compétence, si tu pouvais nous faire un petit coup de chakra. Tifa, si tu pouvais te soigner, ça serait bien. Méga potion. Alors elle, ce qu'il y a, c'est que je sais pas exactement ce qu'elle peut nous faire. Tu peux t'en charger ? Allez, Aris, s'il te plaît. Lance une attaque qui absorbe les PM. Chakra, restaure une portion de PV. Non, ce qu'il nous faut, c'est un objet. Une méga potion sur Tifa. C'est pas fini. Je vais ouvrir ici. Force de... lance une attaque magique autour. Bon, déjà on va en tuer un. Essayons d'en finir. Je crois bien que t'es mal là. Et voilà. Allez, maintenant on fait un objet. On fait queue de phénix sur Tifa. Allez, on se relève. Va déjà mieux, je peux encore me battre. J'arrive. C'est un petit peu chaud. Comme on dit, c'est un petit peu chaud chaud. Bon, ça va nous obliger à prendre de la méga potion. On va la mettre sur Tifa. Merde, je l'ai fait. Oui, non, mais ça va. Ça... Enfin, merde. Non, j'aurais préféré que ça soit efficace, mais ça ne l'est pas. Ok. Bon, en même temps, je suis un peu con parce qu'il y a des bancs partout. Ah, ouais. 6 de restaurer, PM. Oui, oui, là, ça a l'air de bosser. Ça a l'air de bosser dur génétiquement. Bon, j'ai encore le fond vert qui merde. Toujours un délice. Toujours un grand bonheur d'avoir le fond vert qui merde. Bon, lui, allez, on se le fait tout de suite. Pourquoi? Si tu le lock pas, ça va être plus difficile. Attention à toi, je vais te montrer ce que je sais faire. Prends ça. C'est pas fini. Tu peux t'en charger ? Allez, je suis prête. Je vais t'avoir. Ok. J'ai envie d'une bonne douche. C'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Ouais, non, non, la caméra est... Le fond vert ne va pas du tout.
C'est parce que le jour s'est levé, je pense. Je vais fermer un tout petit peu mon rideau, je reviens. Alors vous, évidemment, vous m'entendez? Et voilà! Comme quoi, hein? Il suffit d'un rien, comme disait la chanson de Cool Shen. Superbe chanson que l'histoire de la musique n'a pas retenue, hein, évidemment. Et ben c'est pas trop mal, là. Bon, c'est pas parfait, mais bon, par rapport à ce qu'on est habitué, c'est magnifique, quoi. On me voit, on voit le jeu, il y a le son, tout... C'est en HD, enfin... Ça va. On va pas se plaindre, quoi. J'ai un petit peu peur d'aller par là. Allez, on y va. Soyons foufous. J'ai pas regardé la carte depuis tout à l'heure, j'espère qu'on va pas se perdre. Ah ah ah. Évidemment, c'est un leurre. Non mais moi j'ai vu une caisse, alors quand je vois une caisse... Ah d'accord. Oui, donc on pourra y accéder quand on ouvrira cette porte là. Souvenons-en. Ouais ouais, c'est bien ça. Bon, on a récupéré un petit peu de PM, c'est pas mal. Du coup j'aurais dû me soigner. Passons par en haut. Oui, d'accord. Et elle a le coup d'œil. Elle est à peine rentrée dans une pièce. Regarde, il faut passer par là parce que là, c'est comme ça. Puis moi, je connais bien, il y a l'escalier qui était par là. C'est mon père qui l'avait construit. Moi, j'en suis encore à regarder la poignée de la porte. Hein, faut pas tomber. Bon, ils sont pas très durs à tuer, hein, si on change bien de personnage. Ah, c'est le moment. Mais en même temps, ça ne fonctionne pas, vu qu'on vient d'en tuer un assez facilement. On n'a pas peur. Ce serait des ennemis très difficiles. Et voilà. Ça, c'est les filles. On dira ce qu'on voudra, hein, mais ça, c'est les filles. Ils ont l'air énervés. On n'a pas le choix. Mais elle a quoi comme magie, elle? Je peux te laisser faire. Par exemple, Iris, elle a quoi? Elle a feu sacré. Non, on va le faire sur lui, parce que l'autre est déjà mort. Par exemple, elle a quoi d'autre? Elle a chakra. Non, on va faire chakra parce qu'elle est dans la merde. Je vais te montrer ce que je sais faire. C'est un travail d'équipe. Je peux encore me battre. Voilà. Bon, c'était chaud. C'était très juste. Je viens de le dire, coquine. Oui, hier j'ai regardé une petite vidéo pour comprendre un peu mieux cette histoire de fond vert. Et en fait, il faut un éclairage différent. Bon, vous le savez, parce que vous savez tout. Mais moi, je ne le savais pas. Et il faut un éclairage différent sur son visage pour bien faire le distinguo avec ce qui se passe derrière. Donc j'ai mis une lumière là, et je compte sur la lumière du jour pour le fond vert. Et là, a priori, ça fonctionne bien. Donc ça y est, je commence un petit peu à saisir la chose. Tout en sachant que l'on stream sur PS4, hein. Et que déjà, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, d'avoir du chroma key, c'était inespéré.
J'ai un bracelet de puissance. J'ai l'impression que ça se met au poignet. Et vraisemblablement, il y a de la puissance. Donc on va le mettre sur Tifa. Parce qu'elle aime bien se battre. Non, c'est équipement. Tifa. Gants de cuir. Combien j'en ai ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ce qui est déjà beaucoup. Ah non, mais là on est dans les gants. Moi je veux du bracelet de puissance. Ok. Bracelet de bronze. Ça, tout ça, on pourrait les revendre. Larsen Mithril. Bah, le bracelet de puissance. Un bracelet utilisant une monture cruciforme afin de permettre la résonance entre matéria. Ils nous l'ont pas bien expliqué, ça. Hein. Bon, j'imagine que c'est... On met une matéria et puis une magie. Mais ça n'a pas été spécialement bien expliqué, je trouve. Par contre, on peut renforcer le gant. Là, je viens de voir. Donc, on va le faire tout de suite. Elle a 110, hein, ce qui est pas mal, hein. Là, on a tout. On a 10, donc on va aller dans les 8. Il nous en manque un seul. Attaque magique. Mais on fait jamais d'attaque magique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans là? On va garder jusqu'à temps d'avoir 12. Hein. Enfin, 14. Pour avoir de l'attaque physique. On va faire ça. Par contre, ce que je voulais faire, c'était réglage combat sur Tifa. Salto arrière, saut périlleux, ça c'est pas mal. Mais Iris, qu'est-ce qu'elle peut faire? Le saut aspiration de mana, ça non, on s'en fout. Hein. On va faire extra feu. Saut tactique, on s'en sert jamais. On va faire foudre. Putain, c'est à la fin du jeu que je commence à mettre les magies, quoi. Force de l'innocence. Allez, pour l'instant on reste comme ça. Bon, le bracelet de puissance, pardon, mais ça nous a pas servi à grand chose. Mais qu'est-ce qu'on est parti faire alors? Pourquoi on est venu là? On a relevé on a fait un levier. Non, ouais, on continue par là. On n'a pas été au bout. Oui, et puis il y a une échelle. J'étais en train de faire n'importe quoi là. Mais d'abord, j'aurais voir ce qu'il y a ici. Vous voyez, on allait encore se perdre. Hein. C'est la sortie, tu crois? Mais non, il y avait un truc que je voulais prendre là-haut. Oh putain, moi justement c'était l'inverse, je pensais que c'était là-haut qu'il fallait aller. Oh là là là, on a perdu un coffre. Ça donne quasiment envie de charger la sauvegarde. Charger. Elle est où la dernière? À midi 53, il est... Ouais. Je la charge. Ah non, il y a le coffre. Non, s'il vous plaît. J'en vois déjà, là, il y a une dizaine de gens là sur le chat qui se plaignent. Mais non. Non, le coffre. C'est forcément un bon coffre. Il y a une échelle. Ils sont pas fait chier à faire une échelle. J'arrive pas à retrouver le terme. C'est pas matérialisé. Oh oui, d'accord. Bon, bande de salauds. C'est comme Dark Souls, quoi. Tout est sauvegardé. C'est le côté Dark Souls de... Elle fait la tronche, Tifa. Hein. Elle a plus de sous. Enfin, elle a plus de sous, elle a plus de vie. Putain, j'aurais dû me soigner avant. Allez. Putain, mais à coup de soin comme ça, j'aurais dû le faire avant. Hein. J'aurais dû upgrader tout ça parce que quand on se retrouve avec les deux nénettes, ben on est un petit peu dans la mouise.
Et on va faire une petite méga potion sur Tifa. Allez hop, c'est bon. Je regarde vite fait. Attends. Je vais pas te laisser faire. J'arrive. Écoute-moi ça. Alors, s'il te plaît, compétence, combo puissant. Ok. Elle est bonne pour faire tomber. Je te laisse faire. Allez. Elle fait tomber les faiblesses en fait. Attends, là il y en a. Compétence, combo puissant, non. Sort. Alors, compétence, qu'est-ce qu'elle a? Feu sacré. Extra foudre, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon. J'ai compris un peu le truc. Bon, un petit peu à la fin du jeu, mais... Attends, ils nous disent d'aller par là, ok, mais... Du coup, moi j'ai toujours envie d'aller là où... avant que l'histoire progresse, mais du coup, là, je me fais baiser à chaque fois. Déjà, on a loupé un coffre. Ok. Non, ici, il fallait quand même qu'on y aille, c'est bien. C'est un petit peu facile de nous perdre. Est-ce qu'ils pourront passer en dessous? Bah oui, j'en ai bien l'impression maintenant. Très bien. Et nous, on va aller récupérer les petites caisses. Un pierre Mako, PM restauré, on a gagné que 6. Cloud? Ça va? Oui. On vient d'utiliser un levier. Ouais, mais oui, mais je vais aller voir de l'autre côté. Sortie du mur. Ah, c'est notre tour alors. Bon, on verra bien pour le retour. De toute façon, on va être obligé de les reprendre. S'il se passe quelque chose, on vous appelle. D'accord. Faites attention à vous. Donc là, c'était la 2. On va ouvrir la 4. Pour être sûr. Ça sera fait. Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. J'imagine qu'on pouvait aussi aller dans la une. Mais alors, la caméra est tellement proche des personnages, la carte est tellement, j'ai pas envie de dire aléatoire, mais un petit peu quand même, que c'est assez facile de perdre le joueur. Tout se ressemble, quoi. Là, ça ressemble. Enfin, c'est tous les étages se ressemblent. C'est le jeu est bien. Hein. Le jeu est bien. Mais il faut d'abord qu'on ouvre la porte. Ah oui, suis-je bête? J'avais déjà zappé. Que nous, on n'est pas du tout au même étage. Hein. Allez. En fait, je suis en train d'essayer de me dire que c'est intelligent, qu'il faut trouver des trucs, alors qu'il faut faire tout dans l'ordre où ils nous le disent. Transfusion réussie. Transfusion. Il n'y a aucune subtilité. Hein. Début de l'expérience dans la zone concernée. Oula, je jetais un petit œil sur le chat, et puis je regardais en même temps le nombre de followers. Là, oh là là, ça a explosé là depuis hier. Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Ma mère aussi, ça lui fait très plaisir. Je lui ai envoyé une capture d'écran. Ah, je reviens, on me livre quelque chose.
le stream est tellement de qualité que on peut quand même prendre un peu sur toi. Sur soi, pardon. 0397, hein, quelque chose, pas de conneries. 0397. Oui, vous les scotes pour bien savoir que c'est moi. Allez hop, c'est bon. On peut retourner dans la folie. Dans la folie finale. Dans la folie finale fantasy. Du coup, parce que ça a sonné. Du coup, j'ai ouvert. Voilà, c'est bon. Il faut que j'y aille. Il faut qu'on y aille maintenant. J'espère que je me suis pas absenté trop longtemps. Putain. Oh là là, j'ai perdu la. Oh là, j'ai perdu 60% de mon auditoire. Bon. Je le regagnerai. Ça sent pas bon. Encore une expérience de Hojo. Je regagnerai cet auditoire. En fait, je me donne des handicaps. Quand j'ai un stream, je fais une commande sur Amazon et j'attends que de me la faire livrer. Comme ça, je perds un peu d'auditoire et puis ça me donne un petit challenge après pour le regagner. Début de l'expérience. Évacuation immédiate du personnel. Ouais, genre, allez. Début de l'expérience. Faut y aller fort. Ok, on va les attaquer. Ouais, aucun problème. Ils sont gentils, mais... Je compte sur toi. Ouais, bon, et Barrette. Toi, t'as du sort, hein. Méga glace. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça te fait que dalle, bravo. Allez, on tue celui-ci. Et moi, j'ai pas encore. Allez, Barrette, s'il te plaît, tu me fais un petit choc combustible. Je l'aime bien, le choc combustible. Ah, mais merde, je crois qu'il était mort. Je suis en train de regarder les stats. On avance comme sur des roulettes. On va pas trop vite quand même. Et je sais pas ce que c'est. ZNA, à chaque fois, il y a un petit. Oula. Et... Ne gâche pas des munitions, Barrette. On se calme. C'est du verre renforcé, bien sûr. Je note l'absence de symptômes immédiats suivant votre contact avec les spécimens. C'est fascinant. Hé ! Reste où tu es ! Il faut qu'on continue. Je sais pas si... C'est... Alors voilà, là c'est classique. On vient de faire un combat et vraiment sans la carte, dites-moi par où on arrivait quoi. Bon, je pense qu'il faut qu'on aille vers le laboratoire, mais vraiment, ils ont fait aucun effort quoi. On peut même repasser par là. Je sais même pas, je suis sûr qu'il y a un petit banc. Attends, déjà on va voir la porte. Mais je veux pas être coincé en fait, moi ce que j'essaye c'est d'avoir les coffres qu'on peut pas choper normalement. Il est où? Voilà, non en fait on peut pas. C'est ça en fait, on essaye de gruger le jeu, mais c'est le jeu qui nous gruge. Parce que bien souvent vous êtes pareil quand vous jouez, vous vous dites oh bah ça c'est la sortie finale, je vais passer par là pour prendre le petit coffre. Puis en fait non, c'était là. Ah, on a un bracelet mystique. Je me souviens jamais, hein. Équipement et matéria. Claude, bracelet machina, très bien. Il a 3. Bracelet mystique, oh bah putain. Un bracelet mystérieux et dépourvu d'emplacement pour matéria afin de mieux protéger son porteur contre la magie. Ah, il y a 82. Mais moi, je suis combien au niveau magie? Défense magique, je suis 93. 102, 86. C'est elle hein, qui est la plus susceptible de se faire baiser par
Ouais, mais perds. Enfin, c'est un truc, tu perds 20, tu perds de la vie, tu perds tout. Enfin, bracelet mystique, c'est de la merde quand même. Bon, peut-être qu'on va se battre contre un boss. Et il faut peut-être que je me soigne. Qui attaque fortement à la magie, hein, c'est possible. Ah, bon, je sens que ça va être ce truc rouge. Début ouais. De l'expérience. C'est parti. Évacuation immédiate du personnel. Début de l'expérience. Pas de quartier. Non, mais. Ah oui, je me souviens. Oula, oula. Non, non, niveau vie, on n'est pas trop mal. Oula, non, non, ça sert à rien, ça sert à rien. Il est coquin. Putain, le lock me rendra fou jusqu'à la fin du jeu. Attends. Il attaque d'électricité, donc contre toute vraisemblance, c'est la glace. Oh. Ok. Allez, on va soigner Barrette. Méga soin. Allez, compétences. Allez, enchaînement rapide, on va le baiser. Allez, il est mort. Barrette niveau 34. Normalement, on doit pouvoir upgrader Barrette. Hein. Alors, c'est comment de voir tes jouets préférés se faire fracasser? C'est bien que j'ai mis les sous-titres. C'est bien que j'ai mis les sous-titres parce que parfois la musique est forte. Puis comme là je venais de me soigner en même temps. Bon, Barrette à 12. Ouais, le boulet de canon était quelque chose de spectramètre chez le style. Pas bien, moi je serais bien tenté de le prendre. Il a 93 d'attaque. Hein. Mais effectivement, on perd beaucoup de choses. Je sais plus s'il fallait 14 points ou 12. PV max 200. Non, non. Non, on se rajoute des PV. C'est pas terrible, hein. C'est un peu petit joueur, mais... Allez hop. C'est un peu petit joueur, mais bon. Alors 50, celui-là il est pas mal. Vu qu'on n'utilise jamais la magie, j'ai envie de prendre le boulet de canon, hein, vraiment. Hein. Allez. Équipement et matéria, Barrette, on va prendre. Le boulet de canon, même si on perd un peu en... on attaque quand même beaucoup plus fort. Ok, on va l'upgrader d'abord. J'ai 12,
Donc on peut faire que ça. Attaque magique. Bah, justement, on a pris un truc pour pas pouvoir. Donc non, on se casse. Et on va lui rajouter quelques petites matérias. Oui, bah, c'est toujours énervant. C'est dans équipement. Non, on arrête. On va lui rajouter avantage choc. Ça, c'est bien. Absorption de PV. On va faire enchaînement magique. Ouais, mais on attaque jamais avec la magie, donc ça serait sur moi. On peut mettre vent. Putain, je me suis. Ah, ouais. Annihilation, allez hop, très bien. Ça me rajoute un petit peu de compétences partout, c'est parfait. Allez, on se casse. C'est bien ça, hein. C'est par là qu'il faut qu'on se rende. Non. Oui. Non, on en revient. Là, il y a eu l'expérience. Non, c'est ça, pardon. Mais voilà, encore une fois, tous les couloirs sont quasiment tous les mêmes. Juste après un combat, une fois qu'on est un peu désorienté par la caméra. Bon, ça, c'est bien. Que ça nous ait remis un petit peu. Je vais quand même me remettre un petit coup de pas de turbo éther, mais. Même si je me doute qu'ils vont me remettre un siège dans pas longtemps. Enfin, un banc. A bench, comme disent les anglo-saxons. A bench. Hey, tu croyais qu'on allait te laisser tranquille? Crève, espèce de. Ils ne comprennent rien. Gros matou en suspension. Bon, je veux bien te donner un de mes jouets. Tu ris beaucoup, je trouve. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? Allez, c'est parti. Mais non, le lock, putain, mon doigt est rippé. Oh putain. Allez, Barrett. Ah, il est figé. À mon tour. Quoi, je peux pas aller sur ce l'autre. Il est déjà mort. Ah oui, c'est un espèce de. Te précipite pas. Non, c'est sur l'autre. C'est vrai que j'ai une nouvelle. Oula. C'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. Tu vas voir. Ah oui, c'est quand même assez efficace. Attends, mais on est mort pour rien du tout. Pouh, j'ai un petit peu envie de pleurer. J'ai un petit peu le cœur lourd. J'ai un petit peu le cœur gros.
mais maintenant on est au fait de... C'est Barrett qui va faire un peu le taf là. Putain, mais il est trop loin. C'est très gentil là, mais c'est de la merde. Ok, sort. Là, on va pas se faire avoir. Je sais pas si la récupération elle est si. Putain. Ah putain! C'est vraiment pas le moment de faire le mort! Putain, je vais mourir. Allez! Allez, allez! Voilà, allez. Objet. Feu de phénix. Je vais mourir avant. C'est l'heure de la riposte! C'est parti, toi, Swain! C'est pas mal. Ça se présente mal. Ok, sort. Méga soin. Eh putain. Je te rappelle qu'on a besoin de toi. Ça s'est joué à pas grand chose. Putain. Ah, je vais vous dire un secret, j'ai envie de péter la console en deux. J'aime pas du tout hein, son arme là, je vais la changer. C'est pas contre ces ennemis là, ça ne va pas. Ils sont trop rapides, ils apparaissent, ils disparaissent. Vous savez, ça me fait penser à ce jeu où on a un marteau, faut taper sur des taupes. Non. Barrett, là, il faut que ça soit un ennemi plus costaud, plus lourd pour utiliser cette arme. Je vais changer. On va lui remettre. La mitrailleuse rotative. Voilà, on va mettre la mitrailleuse rotative. Allez. Attends, on passe. Pardon. Allez, là on se défend bien, on bloque. Il a disparu.
putain, Barrette. Merde. Allez, à toi. Mais putain. Là, je joue vraiment pas super. Ils sont rapides, hein. Maintenant, à toi de t'en occuper. Non, mais il est bloqué. T'as besoin de soin. Ouais, t'as besoin de soin. Ça, ça veut dire soigne-le. Ah, ils sont super énervants. Voilà, on en a eu un. Sort. Méga soin. Ah putain, c'est super énervant. Ok, transcendance, bombe grenade. Il veut pas. Compétence. Il veut pas non plus. C'est pas grave, on va le faire du. On va faire de. On peut faire un petit coup de récupération, non. On va faire méga soin. De toute façon, j'ai toujours un peu l'impression de faire la même chose. Hein. Putain. Putain, il est bloqué. Ok. C'est bon. Pas trop mal. J'ai bien fait de changer d'arme. Il était un petit peu trop. Elle était puissante son arme là, le boulet machin, mais un petit peu trop. Lent. C'était quoi ce machin? Yojo. Désolé, il est parti. Cherchons la sortie. Je pense que bien sur la VOD sur YouTube, je pourrais faire la petite coupure. Ça va me permettre de voir comment ça se passe. J'ai jamais fait ça de coupure encore. Bon, je sais faire des vidéos sur un truc de montage. Ouais, c'était sûr qu'il y avait un corps. Un bracelet connectif. Il nous oblige énormément à d'aller dans les. Ah. Défense physique, défense magique. Allez, on prend ça. Un bracelet mis au point de manière à faciliter l'association des matériaux. Vision, garde renforcée, chronomancie. Ouais, enfin là, je m'en sers pour que dalle. Hein. Alors, je veux dire, c'est pas à lui qu'il faudrait mettre ça. Parce que là, c'est quoi? C'est de la chronomancie. Permet des sorts de chronomancie. Ah, lenteur. Non, on va mettre. Résistance aux altérations, c'est toujours bien. Hein. Mais j'ai pas de magie. Hein. Oui, là j'ai mis enchaînement magique, mais j'en ai pas. Non, j'ai envie de. Résistance aux altérations, c'est toujours bon à prendre. Ok, bon la musique s'emballe depuis tout à l'heure alors que. Attends, je sais pas où je suis passé. Oui, on monte. Mais dès qu'on va un peu dans le menu, après on sait plus du tout où on se trouve, vu que tout se ressemble. Je pense que je l'aurais dit 1000 fois dans cette vidéo VOD.
niveau vie, on n'est pas trop mal. C'est pas vraiment une infirmerie, hein? Non, personne ne soigne les spécimens. C'est ici qu'on les modifie et qu'on les dissèque. Ça me donne envie de gerber. Quoi? Ah, c'est pas vrai! C'est très énervant. Allez, Barrette, tu nous fais un petit coup de... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est scripté. Est-ce qu'elle nous a volé quelque chose? Non, il se transforme. On est bloqué là. C'est passé. Je vois pas ce qui se passe, mais je comprends. Bon, on s'est pas trop mal démerdé. Ouais. On s'est pas trop mal démerdé là. Sort, méga soin. J'ai vite compris qu'il fallait tous les latter. Quand j'ai vu les ennemis, je me suis dit, faut tous les latter. C'est ce qui m'a sauvé. C'est cette réactivité. Devant l'adversité. J'ai envie de me mettre un petit coup d'éther, mais ça m'énerve toujours parce que je sais que... il va y avoir un banc. Et ils vont tout nous redonner. C'est pas que les meilleures sont les plus courtes. Ici non plus, il n'y a pas d'ascenseur vers le toit. Je vais appeler Tifa et Aeris. Ok. En fait, il faut que je regarde un petit peu mieux mon environnement. Ok, donc là on monte. Là c'est la porte 3 où on était tout à l'heure. Là c'est la porte 3 aussi. Là, il y a encore un escalier. Ok. Je pense qu'on doit pas être loin de la fin. Là, c'est le chapitre 17. C'est le labo numéro 4. Mais pour ouvrir la porte, on doit retourner au terminal central. L'autre porte s'est refermée derrière nous. On fait comment? J'espère qu'on n'est pas coincé. Bah, moi aussi. Sinon, le jeu s'arrêterait là. Ce serait quand même un petit peu... Bon, là, il y a bien... Voilà, il y a un siège. C'est ça qui est très énervant. Hein. On a gaspillé des trucs pour rien. Méga potion, on va en prendre 3. L'éther, on va en prendre 2.
Bracelet suprême, bracelet runique. Là, la 102. Ce qui est chiant, c'est qu'on n'arrive pas à... Il n'y a pas de comparatif. Là, il me dit, par exemple, que j'ai plus en magie, là. Iris, par exemple, elle a 113 en défense magique. L'art descend à 82, mais ils me disent pas... En fait, je suis à 90. Elle a 102. En fait, on voit pas bien ce qui est... Laisse tomber. On voit pas bien ce qui est mieux en fait. Il y aurait nos stats et que juste à côté en bleu, ce que ça nous enlève et ce que ça nous retire, on se rendrait compte. Mais non, ça nous fait un petit charabia. Bon voilà, je suis encore en train de chier sur le, jeu. Quoi. Non, c'est un bon jeu, mais qui est quand même étiré sur la longueur. Artificiellement, j'entends. Ok, j'ai compris. Donc on va recontacter les filles. Judgment est beaucoup plus amusant à doubler. Je vous incite à regarder mon let's play sur mon walkthrough sur Judgment. C'est beaucoup plus amusant. Merci. Les personnages sont plus profonds, il y a plus d'épaisseur. Là, bon, c'est... Tiens, il y a un téléphone. On demande aux filles si elles peuvent aller jusqu'au terminal central. Ah, qu'est-ce que c'est de téléphoner, hein, c'est... Vite! Red! Tu t'en sors? Oula. Ah, nous aussi, on a des soucis de notre côté. On reviendra t'aider. Allez, hop, maintenant. Red Sartine. Oh merde, non, on vient pas te chercher, hein, tu te démerdes. Il est mal barré. Avant d'abattre les ennemis avant que Red soit tué. Bonne idée. Tifa, tu m'entends? Red est tombé à l'étage du dessous. Vous pouvez l'aider? Oui. Oh non! Allez vite! Il est où? Emmerdé comme tout à l'heure là. Mourir. Alors. Quoi, elle peut pas encore. Ah non. Ok. Ça. On a toujours pas un meilleur soin. Non, elle a le sort de vie.
Bilou, va te sortir. On va lui faire un petit sort de soin. Donne-moi ça. Il faut qu'on se reprenne. Je vais te montrer ce que je sais faire. Ça va, ton côté? Allez, je suis prête. Putain. Ok, quand il fait ça, on... Je te laisse faire. Ah putain, on l'a fait. Ok. Il faudrait mieux reprendre des forces tout de suite. Nous voilà. Allez. Attends. Il est temps d'en finir. Allez, allez, hop. Ça. Non mais on va faire un objet, un méga potion sur Iris. Tiens, pour toi. Si. C'est pas fini. Putain. Allez. Chakra. Objet. Méga potion. Je pars avec ça. Putain. Heureusement que j'arrive. Ah. Mais merde. C'est méchant ça. Ok, ça. Je suis là. Je vais pas dire que je reste à l'écart. Ok, c'est parti. J'arrive. Donne-moi ça. Allez. Elle est gentille. On s'est pas trop mal démerdé. Tout va bien. Merci beaucoup. Beau travail. Comment vous allez tous les trois? On vient de trouver la porte du laboratoire numéro 4. Pour l'ouvrir, il faut retourner au terminal central. Mais ce n'était pas possible d'où on était. Peut-être qu'on peut y aller à partir d'ici? Oui, on va essayer. Par contre, on va se remettre de la vie, hein, ça te dérange pas. Non mais c'est mieux d'utiliser nos sorts. Ok. Parce que on en est où là au niveau des sorts de soins? Ah, je suis pas prêt de passer à l'autre quoi. Et là? Elle a même pas de soins elle. Comme ça au moins c'est réglé. Allez, on y va. Donc la porte numéro 4. Allez. Allez, petit Mathieu. Pousse-nous ce petit levier.
Excusez-moi pour le bruit de la cigarette. Regardez, mais... un ascenseur. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, mais bon, je suis encore accro à la nicotine. Quoi. Mais il fonctionne pas. Il n'en a pas fini avec nous. C'est ça que ça veut dire. J'en peux plus. J'en peux plus. Moi aussi. D'être son jouet. Il ne reste plus que le laboratoire numéro 4. Faisons confiance à Cloud et Barrett. C'est exactement ce que je voulais faire depuis le début, mais le jeu m'en empêchait. Je tiens le... Je voulais le signaler. Non mais, vous n'en avez jamais assez. J'arrive. Ah, c'est pas fini. Isabelle. À mon tour, c'est ça. Bien. Allez, la porte numéro 4. Mais alors du coup la porte numéro 1, c'est sûr qu'on pouvait faire quelque chose. Ou alors c'est celle d'où on venait, je sais pas. Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Ça va aller. Pas vrai ? Oui. Appelons Cloud pour le prévenir. Oui. Faisons ça. Le 13 du forfait. Oui. On a trouvé un ascenseur. C'est vrai ? Non, c'est pas le vrai, problème. Pardon. Bon, mais je préférais donner une bonne nouvelle. Ojo a dû le désactiver. On n'a pas le choix. Il faut aller au laboratoire numéro 4, comme il le souhaite. La porte de votre côté devrait être ouverte maintenant. Compris. Restez où vous êtes. C'est une série de Captain Obvious Ray de dialogue. Normalement, la porte devrait être ouverte. Bon, on retourne à la porte du labo ? Oui, j'ai l'impression, oui. Je crois que cette porte s'est ouverte. Normalement, comme la porte est ouverte, je pense qu'avec votre corps, si vous avancez, vous pourrez franchir le palier. Nous essayons. Oui, effectivement, nous avons passé la porte. Qu'en penses-tu, Barrett, de Shit ? Je crois que nous avons passé la porte. Vas-y, à fond. Alors là, en plaisir. Tiens-toi. Voilà. Ça, c'était propre. On dira ce qu'on voudra sur la qualité du stream, sur le fond vert, sur ma façon d'être, tout. Mais ça, c'était propre. On peut redescendre par là. C'est par où on est, c'est par où on est arrivé. Hein. Je zieux de vite fait, mais oui, oui. Allez hop, bon, on va aller se reposer. Il y a peut-être pas besoin. Hein. Non, il y a pas besoin. Pardon, Barrett de Shit. Ouais, je dois commencer à se demander ce qu'on fabrique. Ouais. On se fout de Wedge. Il t'admire beaucoup. C'est possible. Bah, je sais bien. Wedge, c'est un mec timide en fait. Oui. On a ça en commun. Et quand on a des emmerdes, on peut compter sur lui. Ça aussi, vous l'avez en commun. Ça y est, il est gentil avec moi, Barrett de Shit. Ça y est, enfin il découvre mes qualités. Oh, ça sent la zone de combat. C'était un leurre. Ok. Bon, le sound design est quand même bien fait. Qu'est-ce que... Que quoi qu'est-ce ? C'est quoi ce bruit ? Cours ! Cours, Barrett de Shit. Ah bah c'était bien une zone de combat. Il va pas être simple. C'est un ennemi véloce. Il peut nous transformer.
mets en pâté pour mutant ou quoi? Oh, les répliques de Barrett, mon dieu, au secours. Il a quoi comme ça? On va fermer la glace, on va voir. Te précipite pas. Je pense fait toucher, on sait pas trop pourquoi, la caméra merde dans tous les sens. Faut que je me ressaisisse. Ouais, ouais, il faut que je... faut qu'on se ressaisisse. Ah là, la caméra vraiment. Voilà. Cinématique. Petite cinématique. Ah, c'est un double combat. Ouais, évidemment, ça sert à rien. Tu peux t'en charger ? Allez, je suis prête. J'arrive. Et pourquoi on se fait toucher ? Merde. Pourquoi garde? On va voir que sa tête. Strictement à que dalle. Iris, compétence. Tifa a perdu connaissance. Et quoi, il court plus vite que moi? Petit peu agaçant. On devrait peut-être le je crois que j'ai la materia pour le. Pour l'analyser. Oui, j'ai la matéria pour l'analyser. Pour savoir sa faiblesse. On va voir. Ah non, mais ils me remettent carrément ici. Oh, c'est vraiment des enfoirés. Ah non, c'est bon, c'est sympa. C'est sympa. Mais une que je déteste contrôler, c'est Tifa. Ok, c'est parti.
Les murs, mais qu'est-ce que tu veux faire là quand il fait ça? Faut se cacher où quoi? Ah oui d'accord, on peut l'avoir après. Tifa a eu la bonne idée de mourir. Mais qu'est-ce que tu veux faire là? Non mais vraiment. Allez. Ça m'agace. Sors, vie. Allez, on se relève. Je peux te laisser faire. Ok, c'est parti. J'ai la tête qui tourne. Ok. Donc là maintenant. Non. Objet. Méga potion. Tifa. Ça n'a pas marché, évidemment. Putain, mais... Allez, Iris. Prière. Restore des PV à tous les équipiers, voilà. Putain, ça n'a pas fonctionné. Elle est morte avant, cette conne. Pardon, c'est cette coquine. Allez. C'est un travail d'équipe. Je m'en occupe. Je compte sur toi. Faudrait peut-être que je me soigne. Je peux le faire. Mais merde! Tu peux pas nous aider là, Red Thorstein? Allez, il va être. Tifa, elle a moyen de faire une putain de compétence. Transcendant supérieur. Allez! Putain, ça n'a servi à que dalle! Alors les mecs qui font du speedrun qui me regardent là ils doivent se marrer parce que eux, ils le tuent en 2 secondes. Putain mais garde. Non, il y a un truc que j'ai pas compris quoi.
dans les yeux. C'est mystérieux, que dalle. Ça m'agace, hein. Je vais pas mentir. C'est bon, ça va. Ok, sors. Je suis là. Ça va déjà mieux. J'arrive. Prends ça. Allez. Non. Sauf sacré créer un sommeil en même temps lancer deux fois de sort. Forcément un truc à faire que j'ai pas tité, hein. T'inquiète pas, je suis là. Je vais m'en occuper. Je crois bien que t'es mal là. Tu vas pas vrai. Voilà. Deux secondes. Vas-y, à toi de jouer. C'est ça qu'il fallait faire depuis le début, mais. Non, j'ai galéré, il fallait l'affaiblir avec Iris, mais bon, j'ai pas... Je joue rarement avec les Iris, et puis je l'aime pas, enfin, je comprends pas bien. Elle est puissante, hein, mais... C'était pas clair pour moi. De coléoptère là, mécanique. Ah, nous sommes observés. Vous l'avez vaincu. Vous ne me décevez pas. Vous m'avez procuré des données utiles. Commençons la prochaine phase de l'expérience maintenant. C'est-à-dire ? Il nous aide. C'est féroce. L'ascenseur n'est plus bloqué. L'ascenseur remarche. Je suis pas parano, mais si. Je vais mettre du soin. Marche mieux sur Iris. En fait, c'est pas que ça marche mieux sur Iris, c'est qu'elle a moins de vie. Elle a 3000 et moi j'ai 4000. Donc là... Je fais ça, mais convaincu qu'ils vont nous filer un banc. C'est bench. Un piège. Bah depuis tout à l'heure, ce ne sont que des pièges, Tiff. Hein. Réveille-toi, si s'il te plaît. Sont normaux. C'est vrai. J'aime beaucoup Alors, sa petite jupe. Ça sera notre petit secret. Un de plus. Sur notre liste d'amitié.
On est arrivé? J'en ai pas vraiment l'impression. Drôle de bruit. On entend quelque chose. Ça va être Barrette qui tape contre la porte, qui va faire une blague. Je le sens gros comme maison. Ce bruit qu'on entend, c'est Barrette qui va faire « Oh là là, je n'arrive pas à ouvrir la porte. » La porte est verrouillée de ce côté-ci, on dirait. Alors, on leur ouvre. Il va nous faire une réplique, vous allez voir, c'est culte. Je le sens gros comme une maison. Barrette, le shit. Attends. Ça fait longtemps. Ouais. Autant pour moi. Nous voilà enfin réunis. Avec toutes ces conneries, on n'est pas en avance. Par ici, il y a un ascenseur. Il se rattrape un peu quand même. Enfin, encore faut-il que Ojo nous laisse l'utiliser. Ça, l'idée de... Quoi? On a tout le monde là dans l'équipe? Ça, l'idée de nous avoir... Enfin, d'avoir fait un clébard, enfin, un animal qui... Qu'est-ce qu'il y a? On prend l'ascenseur là, hein? Qui parle avec une voix, enfin, somme toute normale, on va dire. C'est une bonne idée, ça donne du cachet, quoi. Au personnage. Super! L'ascenseur fonctionne, on dirait! Ojo s'est suffisamment amusé avec nous. Il faut dire qu'on a bien travaillé! Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, hein? Qu'on allait se battre contre lui face dans un mecha ou quelque chose comme ça. Hein. C'est imminent. Je le sens. Tout ça pour revenir ici. Ouais. Oh! Ok, donc là on est vraiment au dernier étage, hein, je regarde le plafond. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ce qui était ça. C'est quoi ce bordel? Il était question de ma maman, hein, à un moment donné. Qui a pu? On risque de la croiser là-haut. On bouge. On risque de la croiser. Ah oui, elle est sortie. Oh, je sens que le combat final va être interminable. On va se laisser avant du président et au-delà le toit. Parce que là on arrive à 2 heures de vidéo. Attendez. Une fois monté, je pense qu'on ne pourra plus revenir par ici. On est prêt. Pas vrai? On peut encore retourner au terminal central avec l'autre ascenseur. Si vous avez quelque chose à finir, c'est maintenant. Oui, on s'en fout. Je suis prêt. C'est parti. Non, j'ai pas envie d'aller me reperdre dans les méandres du couloir. J'ai pas envie de ça, quoi. Faut que je trouve un sit-up où je puisse parler comme ça. Là, la voix est très très bien. Et en même temps, je puisse jouer, parce que j'ai pas envie de jouer comme ça non plus. Bon, ne nous plaignons pas trop. Cette fois-ci, le fond vert a été plus ou moins... aimable. Conciliant, coopératif. Bon, je suis les traces de Chias. Étage 69, direction générale. Eh bien, on va se laisser ici. Hein? C'est un bon climax, là. Que va-t-il se passer derrière cette porte vitrée? Alors, on va arrêter là, c'était le chapitre 17, hein, on va l'appeler en VOD chapitre 17 partie 1. Bon, j'ai encore un peu pesté sur le jeu, mais je l'aime bien tout de même, il se passe des choses, le gameplay est très bon, seulement les soucis de caméra, voilà.
Bon, je vous dis à très très vite pour la suite de cette magnifique aventure. Parce qu'au final, on partage ça aussi ensemble. Allez, je vous fais des très gros bisous.